Et bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube ou à ceux qui sont présents en direct comme d'habitude sur la chaîne Twitch. Et une fois n'est pas coutume, je vous rappellerai que vous pouvez à tout moment, hein, avec le lien qui est en dessous de la vidéo YouTube, cliquer sur la chaîne pour me suivre en direct sur d'autres aventures auxquelles vous pourrez participer avec moi dans le chat. Bon. Si vous entendez du vacarme, vous en faites pas, tout est normal, c'est juste le chat qui est en train de commencer à s'amuser et qui est tout fou. Ça devrait rapidement se calmer. Pas de soucis. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas là sur la vidéo de Halo pour Combat Evolved. On est bien parti pour du Halo Reach, l'après-quel au tout premier Halo qu'on a connu sur Xbox. Donc l'objectif hein, de cette playlist qui débute, c'est de voir tout ce qui a pu se passer sur Reach et qui nous a conduit à découvrir le tout premier Halo. Donc sur ce, trêve de bavardage et on va lancer la campagne. Alors pas de surprise, hein, c'est vrai que je l'avais déjà commencé hein, en offline cette campagne, mais on va recommencer tout ça ensemble. Alors, est-ce que je peux la reprendre de zéro par contre? Est-ce que je peux la reprendre de zéro? J'espère. Oui, ouais, c'est bon. Donc, on est parti. Comme d'habitude, on joue en mode normal. On est en solo. On y va tranquillement. Et peut-être que par la suite, il y aura des aventures en coop, en live, avec d'autres joueurs. Et salut Myrtolag, non, Myrtolrag, pardon. Bienvenue sur la chaîne, content de te voir, merci pour ton follow, ça fait plaisir. Ah, on sent une belle évolution avec le premier Halo. Hein. Bonsoir, nous avons perdu le contact avec le relais de Visegrad. Signaux out à 26-00. J'ai déployé plusieurs escouades d'intervention sur zone. Toutes ont depuis disparu. Bref, c'est à nous de jouer. L'ONI estime que le détachement d'une escouade Spartan reviendrait à dilapider de précieuses ressources. Je ne suis pas d'accord. Commandant! Alors voilà notre numéro 6. Kat. Tu as lu son dossier? Tout ce qui n'avait pas été raturé. Quelqu'un a revendiqué l'incident? L'ONI serait tenté de l'imputer aux insurgés locaux. Il y a 5 mois, ils nous ont joué la même sur Harmony. Ils ont neutralisé un relais et raflé 2 cargos en cale sèche. Je ne tolérerai pas qu'ils récidivent ici. Reach est foutrement trop importante. Noble 1, je veux ce relais opérationnel. Bien. Comptez sur nous. On se revoit de l'autre côté. Hollande, terminé. Lieutenant. Commandant. Moi, c'est Carter, leader Noble.
LC4, Noble 2, Émile et Georges 4 et 5. Vous venez avec moi, Noble 6. Lieutenant, je vais pas vous raconter de bobards. Vous remplacez une pointure et les gars auront du mal à accepter le changement. La Noble est de nouveau opérationnelle, ça suffit à mon bonheur. Encore une chose, j'ai lu votre dossier, même ce que l'ONI voulait enterrer. J'apprécie vos compétences. Mais on joue ensemble. Pas de loup solitaire ici. C'est compris? C'est compris. Bienvenue à Rick. Ouais, c'est beaucoup plus cinématographique hein, que le tout premier Halo. Hein. Il maîtrise beaucoup mieux l'ambiance hein, maintenant. Alors Myrtle, hein, laisse-moi 2 minutes. Dès que les cinématiques sont terminées, je te réponds. Hein. Écoutez, équipe Noble, on se pointe sur un avant-poste relais à 50 bornes de Visegrad. On fait simple. On débarque, on fait les présentations et 4 réactive le bordel. Déplié, et je me charge du reste. Commandant, pourquoi les rebelles voudraient isoler Rich du reste des colonies? À l'occasion, posez-leur la question. On vient de perdre le contact avec le QG, chef. Canot auxiliaire? Balayage. Négatif. Brouillage non identifié. Ok, on bascule en zone de non-transmission. Ce coup-là, le QG ne nous tiendra pas la main. Comme c'est dommage. Dispositif 1 improbable. Gardez vos distances. À vos ordres. Restons concentrés. Tenez vos secteurs. On arrive à l'avant-poste de communication. Balise de détresse détectée. Bon, on va commencer à jouer. C'est peut-être les disparus. On va voir ça. Posez-nous sur le flanc. Surveillez ce qui vient d'en haut. Chef. Allons-y, 6. Ok, équipe Noble. Dispersion. Ouvrez l'œil. Ok, on est parti. Donc, comme je le disais, hein, pour bien introduire tout ça, on est sur Reach, hein, c'est une planète, c'est l'après-quel au tout premier Halo. Il me semble que c'est le quatrième Halo qui est sorti dans la série. Et donc, on sent vraiment hein, que le jeu est beaucoup mieux maîtrisé que le tout premier Halo. On est dans un environnement beaucoup plus cinématographique, qui va être beaucoup plus dynamique, et dans lequel je m'attends à vivre de bien plus grandes émotions. Et alors attention, hein, on n'est pas du tout le Master Chef, hein, on fait partie de la Team Noble, on vient de rejoindre la Team Noble, et je pense, si je ne dis pas de bêtises, hein, que je suis un Spartan. Et donc maintenant je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Et comme promis, Myrtle, hein, je m'étais engagé à te répondre, ce sera avec plaisir hein, de pouvoir jouer avec toi par la suite. Dans un premier temps, je propose déjà de faire la campagne en mode normal pour la découvrir ensemble, en solo. Et une fois que le solo sera terminé, comme je le disais déjà sur le tout premier Halo, ça pourrait être très intéressant d'essayer de mettre du challenge supplémentaire et de faire les campagnes en coop en difficulté bien supérieure, héroïque ou légendaire. En tout cas, bienvenue sur ce live. Bon. Point de structure 3-4, c'est ok de ce côté. Donc là on vient d'arriver dans cette ferme hein, pour enquêter pour savoir ce qui venait de se passer, vu qu'on a perdu toute communication. Le signal de détresse est émis depuis le sud. On y est presque. Bien reçu. Ouvrez l'œil.
J'ai la balise. Vous avez une ID? Négatif, mais c'est du militaire. Et où sont les soldats? Où sont passés les résidus d'explosifs? Double 3, constatez-vous des résidus d'explosifs dans la zone? Négatif, chef. Plasma, peut-être? Impossible. Pas sur Reach. Du sang par terre. Beaucoup. C'est bon, Double, il n'y a rien à voir ici. On continue. Fumée sur la structure, boss. Passez par l'ouest et allez voir. Équipe Noble, permission d'engager, mais avec parcimonie. On n'a pas besoin de se faire remarquer. Alors je te rassure Myrtle, tu seras pas dépaysé, parce que si tu me dis que toi tu joues généralement en facile parce que t'es mauvais sur les halos, tu verras que ici il y a du no-skill légendaire de ma part. T'as pas encore eu le plaisir de jouer en multi sur Halo? Mais t'as pas besoin d'avoir la fibre pour y jouer. N'importe quelle connexion internet fera l'affaire après. Je pense pas que le 56K existe encore. Bon, c'est quand même magnifique. Et alors là par contre, je pourrais pas switch avec l'ancien design, puisqu'en fait... contrairement au premier Halo et au Halo 2, où ils ont vraiment refait les graphismes, là ils ont appliqué une texture HD, mais la différence est trop mineure en fait pour qu'on ait un switch. Donc le switch Double n'existe 6, pas. Entrez dans la maison. Et sans bruit, j'avance en soutien. Ok, on va y aller silencieusement. Leader Noble, source de chaleur en provenance de la structure. Ah. Achetez-nous tout de suite. C'est pas les rebelles, c'est des fermiers. Vous voyez? Demandez-leur ce qu'ils foutent ici. Ils se cachent. Ses voisins attaquaient la nuit dernière. Des cris, des coups de feu. Et à l'aube, plus rien. Il dit que quelque chose a tué son fils. Quelque chose? Commandant, j'enregistre des sources de chaleur provenant de cette structure à l'est de votre position. Terminé. Bien reçu. Et faites-les rentrer. Asmantam Befeli, Galink. Ok. Équipe Noble, maniez-vous le train. Ah oui, la différence aussi c'est qu'on peut sprinter dans ce Halo. Et ça, ça fait plaisir. Ah, des cibles. Merde. Où ça? Regardez-moi, qu'est-ce que vous voyez? Terminé. On vient de retrouver deux de nos soldats disparus. Or, il semble qu'on les a interrogés. Et c'est moche. C'est bien crade ici, hein. Du mouvement. Surveillez vos capteurs de près. C'était quoi ce truc? Vous voyez quelque chose? Négatif. Zone froide. Tain, pour un peu, on chercherait à transformer Halo en jeu d'horreur. À vouloir nous faire peur. Alors c'est marrant parce que sur Halo Reach, j'ai l'impression que les armes humaines sont devenues beaucoup moins puissantes qu'avant. Ah non, du coup c'est pas marrant mais... Ah attends, on nous contourne? Non. Voilà.
Là, je vois un point rouge là. Ah, mais ils sont en dessous. Vous êtes pressé ? Parfaitement. Te voilà, ici. Feu à volonté. Banshee, droit devant Charlie. Banshee à l'attaque. Ah, non seulement je les trouve résistants, mais en plus le pire c'est que c'est vraiment des petits mobs, hein, donc Ah. Ah, pardon, je ne t'avais pas eu. Après, t'as peut-être pas non plus une connexion aussi pour que ça, Myrtle, vu que tu peux regarder un live. Voilà, ça s'énerve. Je pense que si t'es en mesure de regarder un live, tu peux jouer en multi, hein. Ça m'inquiète pas trop. Hein. Oula. Ça, j'ai l'impression que j'ai pas de portée avec cette arme. Ouais, ça m'arrive d'avoir raison. Pas souvent, mais ça m'arrive. Des fois sur une erreur. Ah, y'en a encore ? Y'en a encore. Noble, cessez le feu. Contact neutralisé. Contact ? C'est des putains de Covenant ? Pas le gros. On t'offre toute la vallée comme mirage. Jack, il faut prévenir Hollande. Filez à l'avant-poste tout de suite. Boss, je capte encore de l'activité à l'est. Bien reçu, June. On s'en charge. 6, passez devant. Alors, je crois que c'est moi qui en appelle 6. Hein. Ah oui, bah au niveau des caractéristiques de ta connexion, c'est parfait. T'as pas à t'inquiéter, là. Tu joues tranquillement, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Toi, t'as pas connu l'époque du début de la connexion internet. Hein. Ça va, t'as quand même un historique. Alors si t'as eu internet en 2003, t'as quand même connu le début d'internet. Moi je pense que j'ai dû avoir internet dans les années 2000. Donc t'as dû t'en rendre compte, hein, la connexion internet en 2003 et en 2020, ça a plus rien à voir. Alors je sais pas où je vais, mais j'y vais. Attends, on va se faire des autruches. Ah ! Ok. Désolé.
J'ai quand même tué des Covenants involontairement. Mon jeu est sombre. Normalement non, pas spécialement. Attends. Ah, quoique, c'est vrai que sur le retour du live, c'est étrangement sombre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Tu fais bien de me le dire. Ça m'embête un peu. C'est étrange que ça soit aussi sombre. J'essaie de voir s'il y a un paramètre que je peux changer. Non, je vois pas. Après, est-ce que c'est lisible quand même? Oh punaise, je me fais tirer dessus. Putain, c'est vrai que c'est dark, hein. C'est marrant parce que je regardais une streameuse il y a quelques jours qui a eu le même problème. Alors en plus elle jouait à du Dark Souls, donc pour vous dire que c'était noir. Allez, tire. Putain, mais tu bosses pas beaucoup, je trouve, hein. Noir là en fait. Mais comment se fait ça? Bon, je vais tenter un truc. J'ai pas trop le choix. Ça me fera faire un peu de montage sur cette première vidéo. Et voilà, après rapide coupure et donc rapide montage, je pense que maintenant vous avez une couleur qui va être plus acceptable dans les sombres. Boss, je capte encore de l'activité à l'est. Je vous conseille d'aller voir. Reçu, 3, on est en route. Aucun changement, tu me dis, Myrto? Ah, pourtant, moi je le vois bien là, le changement sur mon retour. Oh là là. Attendez, on va écraser du Covenant.
T'es pas mort, toi. Oh putain, les alliés. Attention. Donc pour toi c'est moins pire, mais c'est pas encore top. Bah écoute, là je peux pas faire mieux. Boss, on capte un signal de détresse. Mayday, 3 Charlie 6, quelqu'un me reçoit. Avons subi attaque des Covenants. Les Covenants sont sur Reach, je répète, les Covenants sont sur Reach. Soldat, on y va à 6. On doit trouver l'émetteur de ce signal. Excusez-moi, mais il n'y a pas plus important à faire que des balades. On n'abandonne personne, plus. Si vous trouvez ces soldats, vous me dites. Leader Double, je vois une armée potentiellement alliée sous le feu sud de votre position. Terminé. Nous sommes attaqués. Je répète, Médé, 3 Charlie 6, nous sommes en plein sous le feu des Covenants. Je suis blessé. Je vais pas tenir longtemps. Nous devons trouver ces soldats. Et ils sont où, ces soldats? Je vois une flèche, là. Ouais, ben... On écrase. Ah putain, tout fail. Mais c'est que ça résiste bien la voiture, ces trucs là. Alors on me demande de préparer une ZA, mais c'est quoi une ZA? Attention, transporteur ennemi en approche. Ouh. Ah, ils ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur est arrivé, eux. Putain, mais... Comment ils me dodge, lui? Et les alliés là, ils tirent, ils font quelque chose ou je suis tout seul? Un kamikaze. Encore un autre. Oh la vache! Ah, je me suis pris deux kamikazes de suite. Évacuation, restez à l'écart. 6, maintenez la position, préparez une ZA. Spartan, Caporal Travis, Charlie 3. Ce sont les Covenants. On le sait, Caporal. On vient vous tirer de là. Bon, bah, moi, y'a plus de doute. On sait que les Covenants débarquent sur Reach. Attention, transporteur ennemi en approche. Spirit en approche. Aux abris. Ah non, me dis pas que je l'ai coincé. Non. Allez, tourne. Ah bah toujours, de toute manière, que serait Halo sans les Covenants? Pouah. C'est bon, on les a finis.
Ah, je suis pas sûr qu'on les rencontre, les Floods, dans Halo Reach. C'est la place du mort. Eh, ah non, mais... Faut que je monte dans l'hélico, d'accord. Ça, je peux faire. Mais... Quoi, y'en a encore ? Mais je veux me battre, moi aussi. Nous sommes à l'avant-poste relais. Porte fermée et mécanisme explosé. Ça peut s'ouvrir ? Je vais sortir ma torche pour ouvrir un passage. Ça va prendre du temps. Okay. Bien reçu. Nous rejoignons votre position. C'est un gros engin que t'as là, toi. Fight. Et le chat là. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ah. Tiens. Dans les pieds, puis dans les dents. Ça se présente comment ? J'espérais que ça prendrait moins de temps, commandant. Actuellement, j'en suis à la moitié. Contact. Ah, faut se dépêcher. C'est pour vous jusqu'à ce que Kat ait pris le contrôle. Stop. On se dépêche. Attention. Wesh. Ouais, non, non, mais... J'ai pas de canon anti-aérien, là. Je t'ai pas vu, toi. Hé, hey, tais-toi. Allez, Kate, on se dépêche. Où ça? Où ça? Ou non? Attention à la grenade. Et c'est que je commence à avoir mal là, hein. Allez, allez, allez! Oh ce bordel! Oula! Dommage pour toi, l'élite là. Bon, alors là, si ça fait noir, c'est normal. C'est noir chez moi aussi. On va passer en vision nocturne. Change d'arme ? Non, tu veux pas ? C'est trop calme. Oui, je te confirme, Myrto, tu peux faire toutes les campagnes en ligne en multi, il n'y a pas de souci, en coop.
pas... Ah ouh, il y a un mort. Noble 6, inspect... Ah désolé, je t'ai coupé la parole. Où est le reste de votre unité? On a été séparés. Et... à la radio... ça avait l'air de barder. Okay, restez tranquille. On va vous dégoter un médic. Merde. Dégâts plasmiques. J'ai quelque chose. Je prends. Ça, c'est mon domaine. Contact, vivant cette fois. Allez, sors de là. Meren, Inen, Ne, Hagion, Begen. Tout va bien. On va pas te faire de mal. George, la tiens. Reste tranquille et je te lâche. Meg, Itvanak. Tout à fait. Oula, oula, oula. Quelle est la situation? On est sous le feu. Ah, je me suis fait bousculer. Oh putain. Bonjour. Bah, les secours, ils ont mis du temps à venir là. Let's go. Ok. Donc oui, hein, c'est l'une des forces de Halo, hein, c'est de permettre de faire toutes ces campagnes en coop. Ça, par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis que les Covenants dans ce Halo Reach? Bah, je sais pas. J'ai fait que les premières missions jusqu'à présent, donc... je sais pas comment se termine cette campagne, mais du peu que j'en sais, ça m'étonnerait. Je pense qu'on rencontrera que des Covenants. Ça... oh la vache. Ça me paraît très logique par rapport au scénario. Vu que Reach, en fait, on le sait, c'est une planète qui s'est fait exploser, on le sait dans le tout premier Halo, en fait. On a fui Reach pour survivre. Tiens, mange ta grenade, toi. Quoi, ça a rien fait la grenade? J'ai plus de grenade, ok. Bah tu vois, t'en as fait plus que moi du Halo, puisque toi t'as fait le 1, le 2 et le 3, moi j'ai fait que le 1 et le 2 pour le moment. Et je les avais fait à l'époque de la toute première Xbox, donc ça date. Ouh, la grenade. Ça pique. Et donc là, j'ai décidé de me faire toute la série sur PC. Faites-les sortir, je recouvre. Parce qu'un FPS sur PC, ce sera toujours mieux qu'avec la manette, pour moi en tout cas. Oh non, oh non, oh non! Putain. Je l'ai vu trop tard et j'étais en train de recharger. Ah, les Jedi, c'est terrible ça. Priorité au Jedi. Et tu vas mourir? Voilà. Merde, il y en a. Ouais, je vais appuyer sur un bouton. Vous
camp. Ça, c'est la question. Si vous voulez savoir quand cette station sera réactivée, 2 semaines au mieux. Les principaux composants de liaison ont été cramés au plasma. 2 minutes, c'est déjà trop. Justement, je m'introduis dans le noyau central pour établir une liaison directe avec le colonel Holland. Holland ? Cachez la lumière, chef. Découvrez ce qu'elle sait. Comment dire poliment à ton supérieur, vous me faites chier. C'est quoi ton nom ? Tu es dans le coin ? Anevem George. Char. Char, c'est pas trop Zotnev. Ton accent m'est familier. Chopron? Tangeri. Un ami à toi? Père. Char, un homme. Désolé. Désolé de quoi? Bah, si elle parle la France. Lisez-moi ça, si c'est pas touchant. Elle a perdu son père. Ce qu'il lui faut, c'est un suivi psy. Avec toi, ça fait 2. Vous deux, bouclez-la. Relevez-la. On abandonne le cadavre. Ça s'envoie quand même de sacré van. Hein. Signal. Faible, mais stable. Ça me suffira. Faites gaffe à ce que vous faites. La structure est foutrement instable. Reçois à peine. Quelle est la situation ? Terminé. Colonel, ici Noble 1. Aucune activité rebelle. Les Covenants sont sur Reach. Répondez. Répétez, Noble 1. Vous avez dit Covenant ? Affirmatif. Situation Winter Contingency. Que Dieu nous aide. Oh mon Dieu, les Covenants ! Alors, observez bien, c'est marrant quand même. Hein. On a une escouade avec que des bonhommes. Il n'y en a qu'une qui dandine du cul, c'est la nana. Elle n'arrive pas à marcher sans dandiner des fesses. Ça doit être l'armure, elle a une armure spéciale, c'est pour ça. Bouge. C'est des Covenants, hein. Je crois qu'on est au courant maintenant. Alors, attends. Après tu vois Myrtle, je pense que de toute manière c'est comme ça dans beaucoup de jeux. Dès qu'il y a une femme, on aime bien lui faire bouger un peu les fesses. Par contre, si tu viens de te prendre la série là sur Steam et que t'as fait le 1, le 2 et le 3, il te reste plus que Reach à faire maintenant.
Oh, j'ai plus de grenades. Oh, vas-y, lève le pont en l'air pendant que je te tire dessus. Ça me va. Ah, pourquoi tu commences. Pourquoi t'as commencé le 1, le 2 et le 3 que tu les as pas terminés? Ah, j'ai plus de balles! Faut les terminer avant de passer à la suite. Désolé, je t'avais oublié. Gagnez la porte centrale à l'est. Je vous prie en chemin. Et voilà, après cette coupure, on reprend la suite de notre aventure. Contrôle Sword, je vois un détecteur de cible. Vous avez de l'artillerie dans cette zone? Pas beaucoup, mais vos besoins seront prioritaires maintenant. Mais on a un joli croiseur Covenant. On retourne sur la base, mais des ennemis nous collent au train. Vous me recevez? Ah. Et entre deux tanks, ouais. Alors c'est très rigolo cette arme hein, en fait, hein, parce que on active de l'artillerie à distance. Hop là. Quoi? Et... Mais ça va pas? C'est pas toi le joueur ici? Casse-toi! Ouais, prends la tourelle. Au lieu de me ninja mon véhicule, là. La station Farragut a son propre dispositif de com. Ça devrait nous permettre de raccorder. Avec la batterie solaire d'Hervio, on gardera le ciel dégagé. La tourelle entière est à l'ouest, la com à l'est. C'est parti! Let's go. Je suis d'accord, d'abord on tire. Ça me va. Je capte les sources électriques, on n'est pas loin de la tourelle. Ciao Myrtle, à plus tard. Et on n'a pas de chip nous pour se défendre, pour se battre. Où toi le petit? C'est que cette arme? Ah, ça m'a immobilisé le véhicule? Je connaissais pas ça. Bonjour.
Ok, c'est actif. Ouh, ça va te faire mal ça. Ou pas. Et il en a rien à péter le vaisseau. Qu'est-ce qu'ils font eux? Venez à moi, bras ouverts. Bien joué, Spartan. Rendez-vous à la station Farragut et faites pareil pour la com. Spartan, ici Control Swarm. Je vous envoie des renforts mobiles. Prenez le Warthog. J'en ai déjà un. Bonjour, Spartan. Allez, monte. Tout était contrôlé, absolument tout. Et là aussi c'était contrôlé. Il y en a encore un. Non, là c'est un trou. Faut aller où? J'espère que le générateur de la COP fonctionne. On sort toutes les montées. Nous allons localiser ce générateur. J'ai des salles de recherche. Oula, doucement. Oh, on l'a pas tué lui encore. Et fail. Ça sert à rien de vous cacher, hein. Vous allez mourir quand même. Ouh! Il y avait un petit kamikaze qui me courait derrière. Aïe, attendez, on me tire dessus là. Ouh, ils ont bien esquivé là. Bon, ils sont dans le bâtiment. On va aller faire un brin de ménage. Ah, le fourbe! Il m'attendait avec son arme chargée, lui.
Il est où? Ouais. J'ai pas compris là. Ça c'est un gros gun. Ça c'est bien. Bien joué Spartan. Rentrez à la base Sword. Le reste de votre équipe y sera sous peu. On t'abandonne soldat. Attention. Corvette Covenant mobile vers position. 4, 6. Venez vite. On se retrouve dedans. Eh tiens, 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 tiens. Oh putain, comme d'hab, maîtrise du véhicule. C'est ça le skill. Oh la grenade. Bon, que ce soit dans Halo 1 ou Halo Reach, par contre le coup des grenades là toujours le même merdier hein. Ah, lui il saute tranquille. Bah écoute, s'éclate. Le kamikaze reste dans ton coin. Ah les gros, eux ils m'avaient pas manqué par contre hein. Bah, oh la vache. Ah non mais c'est un pompe, c'est pas un lance-grenade que j'ai. Quel con. Putain, mais t'en faut combien pour mourir toi? Voilà. Ok, oula. Oh le coup de pied là, non mais oh. Je te permets pas. Fais gaffe, il y a une grenade. Yes. J'ai tué le copain, mais bon. C'est la guerre. Hein. Allons à l'atrium. Il faudra passer par le bureau de la sécurité.
ascenseur, lieutenant. Prenez-le. Avec vous, 6. Vous voulez quoi? Je rêve ou tu voulais? Ça m'étonnerait qu'il se presse. C'était le comité d'accueil. Ah, baston! Pas mal là. Oh, vous faites quoi les gars là? On est là. 6, grimpez à l'étage supérieur, aidez Emile. Ennemi sur nous. Vous voulez des Spartans? Il y a toute une escouade de Spartans de présent. C'est que c'est résistant ça. Surprise. Alors là, je lui ai très très mal. Je regrette. Ah bah là, j'ai mouru. Bon. Attendez qu'on a un gros gun, je comprends pas de toute manière ce qu'on attend. Hein. Oula. J'aurais dû utiliser mon bazooka. Quoi qui m'a OS comme ça? Commandant, la base ne supportera pas une nouvelle salve de cette corvette. Flinguez ces banshees. Oh, lieutenant, je veux ces longs soins dans les airs. Il était temps. Ah ouais, les grenades, d'accord. Oh putain, l'esquive! Eh, tu vas arrêter de dodge? Voilà.
Aïe, 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 calme, calme, calme. Putain, mais... En fait, c'est trop galère de les tuner au bazooka, eux. Ça fait que dodge. Et pam! Merde, c'est quoi qui me bloque, là? Oh, tu meurs toi? Ah. Du bon boulot de Spartan, 6. Équipe Noble, Longsword en approche est paré. La défense orbitale est en place pour tirer. Magnifique. Oh putain. Ça mériterait une photo. C'est un plaisir. 5, 6, dirigez-vous vers l'aide scientifique. Le docteur Alcé veut un débrief et le QG nous met à sa disposition. J'ai bien entendu. Alcé, vous dites? Exact. Mobile vers position. La bonne blague. J'étais à sa botte la moitié de ma vie. J'ai réclamé votre aide, commandant, et je n'ai que faire d'un rapport sur des événements survenus sous mes yeux. Ce qu'il me faut, c'est un bilan détaillé de votre dernier engagement. George, ça fait un bail. Madame. Qu'as-tu fait avec mon armure? Je l'ai améliorée, rien de plus. Je vois. Le relais de Visegrad. Son central de données abritait l'un de mes xéno-archéologues, le professeur Laszlo Sorvald. Peut-être pourriez-vous élucider sa mort. S'il s'agit d'un civil d'une soixantaine d'années, il est mort perforé par une épée à énergie covenante. Des élites. Ils nous ont attaqués, nous aussi. Juste après qu'on a trouvé la fille de votre xénomachin, madame. Elle se cachait dans... Peu importe. Dites-moi plus sur les élites. Ils étaient trois, de classe dévots. On en a buté un, le leader à vue de nez. Des dévots? Vous êtes sûr? Leur config d'armure correspondait. Leur bouclier, idem. J'ai donné l'ordre d'abandonner la poursuite. Notre premier objectif est de réactiver le relais. Votre premier objectif? Vous êtes un Spartan ou un vulgaire pantin? Dame. Certains à l'ONI, moi y comprise, soupçonnent les Covenants de déployer des escouades d'élite pour retrouver plusieurs de leurs artefacts religieux. Les rapports indiquent que ces détachements sont toujours réduits, rapides, et presque toujours composés de dévots. Nul doute que l'abondance des données archéologiques les a attirés ici, et vous les avez laissés fuir. Nos ordres n'ont jamais stipulé de retrouver des données. Et d'ailleurs, nous avions des priorités plus urgentes. Comme donner l'alerte. La dernière archive consignée par le professeur Sorvald mentionne la découverte de données cruciales. Il n'aurait jamais employé ce terme à la légère. Espérons seulement que le module dérobé par votre officier renferme ces données. Kat? J'ai été alerté dès que vous avez tenté d'accéder à son contenu. C'est la procédure standard pour toute intrusion. Ces données sont hautement classifiées. Votre curiosité pourrait vous expédier au trou. Vous la suivriez de près. Je vous demande pardon. La planète est sous le coup d'une procédure d'urgence. Nom de code, Winter Contingency. Vous savez sans doute ce qu'encourent les civils qui entravent une opération spartane. C'est une menace, commandant. Un conseil d'amis, madame, rien de plus. Escouade, on décolle. Oh la salope. Madame. Ce sera tout, George. Thank you.
Ah, le sniper cheat. Escouade Bravo au rapport. 3 et 6 en position. Ça commence à barder sérieusement par ici, Kat. Alors on y va. Signalez toute structure au dispositif Covenant. Probabilité d'engagement direct. Bien reçu. Quand Kat a le dernier mot, ça se termine toujours comme ça. Tenez, ça vous sera utile. Des balles perforantes haute vélocité. Elles dérouilleraient un élite à 2 bornes de distance. Du premier choix. En contact. Ok, YOLO. Recon, bravo. Ce secteur est protégé contre la surveillance électronique. Les Covenants peuvent bloquer notre matos ? On dirait bien. Et le commandant veut savoir ce qu'il cache. Sur A pour assassiner. Georges peut assassiner. Oh, oh, je le savais pas ça. Putain, je me suis pris un kamikaze sur la gueule là. Il m'a vite calmé. Ouais mais attends mais... C'était pas une bonne technique de l'assassiner en fait parce qu'ils sont tous réveillés maintenant. Mais... Et tu viens de mourir toi ? Un sniper, c'est pour l'utiliser quand même. Recon Bravo à Noble 2, en attente pour rapport de contact. En attente de réception, à vous. Je vois plusieurs ennemis en train de se balader dans une installation. C'est ça qu'on cherche, Kat ? Négatif. Trop petite et vous n'êtes pas encore en zone d'ombre. Feu à volonté, mais avancez. J'ai déjà commencé. Attends, tu pars où toi? Reviens par là. Putain, c'est quoi ce saut de malade qu'il a fait? Mais c'est quoi? Ah, mais c'est qu'ils ont des jetpacks. J'ai compris. Putain, mais tu mets pas devant moi l'autre là. Bon, s'il y a plus que des petits, on va y aller au cac. Bon. Les ennemis, ils ont l'air sacrément remontés. Mais... Je me fais à ce matelas.
Attends, j'ai déjà plus de balles. Mon arme. Hop. Mais il est passé où? Non, j'ai viré mon sniper. Mais quel boulet. Oh là là, j'ai pas acheté la bonne arme. Voilà. Oups. Bon, j'en suis pas trop mal sorti malgré mes gaffes là. Faut aller où là? Faut aller où? Faut aller où? Et ça c'est déjà fait là, la vision nocturne. Attends, on se calme. Hâte de bouger 30 secondes là. Mon dieu, les kamikazes! Il y en a qui tiennent vraiment pas à leur vie en fait. Hein. En fait, on a des covenants japonais. Où, là. Doucement. Mince. Il est où l'élite là? Il est là. Ça fait mal. Arrête. T'as pris cher. Oh la grenade là. Allez, ça c'est réglé aussi.
Contact perdu. Ah, il a pas aimé dans la jambe. Mais t'es bugué toi? Allez, on va te débugger pour t'aider. Voilà. C'est quoi ces monstres? En tout cas, ça me nettoie les Covenants là. Bien. Sur vos gardes, on a du lourd. Je vais pas les déranger. Mais attends, faut... Ouh, ouh, il m'a vu. Oui, oui, feu, pas de problème. T'as vive la puissance du snipe. T'as cette monstruosité. Faut que j'apprenne à tirer là, parce que... Ciao, ciao, ciao. Eh ben c'est moche hein. 6, il y a une piste en haut, dans le rocher. On va la suivre. Bon, les autruches, on s'en fout. Cassé. Aux armes. Magnum. Sécurité à l'épaule. Le protocole. Et là. Mais reviens. Des élites quelque part là. Ah oui, là. Tu vas où toi? Ouf. Il a tourné la tête, il avait plus de tête. Charger. Il n'y a plus rien. Ou presque. D'habitude, c'est quand même plus calme. Voir les Spartans au combat, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? La zone est censée avoir été évacuée.
On pouvait pas laisser des étrangers protéger nos maisons. Donc on est là. Pour ça. On a planqué les armes sur tout le territoire. Vous savez qu'elles sont volées. Bah quoi, ça allait m'arrêter? Non. Juste vous les reprendre. Cible en vue. Oui, c'est un autre transporteur en vue. Ouah, on peut les sniper à l'intérieur. Ouais, moyen. On va nettoyer tout ça. Il me tire dessus avec quoi lui? Fait contourner. Mais tu vas me foutre la paix, toi? Merde, y'a un élite. Je me suis fait surprendre. Ah oui, il m'a oublié. On avance et on les dégomme tous. Ah, je crois qu'on arrive. Kat, tu vois ce que je vois? Structure covenante comme un gros pylône. Merde. Blindé. C'est la source de notre zone d'ombre. Ok, on va la bousiller.
Négatif. Placez une charge pour exploser le pylône à distance. Le commandement prévoit un gros truc, mais à l'aube. Quoi ? Je l'ai pas touché. Ouh, attends. Et merde. Il y avait un élite là. Et vous êtes chiant là. Ok, on rush. On n'est pas des Spartiates, mais on est des Spartans. Non, 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 ta grenade, tu te la gardes. Oula, oula. C'est nettoyé. Ou presque. Putain, c'est quoi qui m'a défoncé encore? Je t'avais pas vu toi. Je regardais en bas. Zone ok, couvrez-moi le temps que je place là, ça ne prendra qu'une minute. Restez aux aguets. Ah, défendre. Qu'est-ce qui va nous arriver sur la gueule? Oh mon dieu! Oh pas eux! Quoi? Je peux surcharger? Oula! Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi! Attendez. Je viens d'avoir mal là. Voilà. Ah, c'est, ça les calme quand même bien, hein, les balles de snipe. Charge en place. Elle est bien dissimulée, j'espère. Collée dans le générateur du pylône. Parfait. Avancez dans la zone d'ombre. Le commandement veut savoir ce que les Covenants y planquent. Il y a une porte au sud-est de la centrale. Reçu. Je vous envoie tout de suite les codes de sécurité. Aïe 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 aïe. Mon dieu, mais je suis caché. C'est tout ? Ombre. Six. Tirez manœuvre. Prenez-les de côté.
C'est quoi l'autre côté? C'était effectivement trop calme. Oh la vache! Il y a pas mal de trafic aérien par ici. Je crois qu'on approche. Il est où? Calme. Rush, 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 rush. T'es pas mort, toi? Allez, c'est réglé. Je crois que j'avais un copain à côté là. Tais-toi. C'est le sblin. Mais on avance. Par contre, plus que deux balles de snipe. Hein. Je suis triste, très triste. Ah ouais, il y a un peu de monde. Transmission visuelle. Tu vois ça, Kat? Confirmé. Contact relayé par Noble 3 et 6. Groupe d'assaut Covenant en visuel. C'est plus qu'un groupe d'assaut. C'est une armée d'invasion. Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on s'active. Affirmatif. À toutes les unités Recon, repliez-vous. Le soleil se lève dans quelques heures. Et la journée s'annonce agitée. Eh bien. Là, je crois qu'on peut dire qu'on est officiellement en guerre. Oh bah oui, oh bah oui. Apparemment, la découverte faite par l'équipe Noble hier n'a rien d'une anomalie. Des détachements Covenant se sont déployés à notre insu, et nos positions du territoire Vieri sont attaquées, défense orbitale incluse. Comme l'impose la procédure, nous ripostons sur tous les fronts. Noble a identifié des écrans de camouflage qui masqueraient le déploiement d'armées Covenant. Et découvert une potentielle zone d'atterrissage destinée à d'autres troupes d'invasion. Leur origine reste à déterminer. Zéro strat, hein. On fonce. C'est le moment de s'approcher. Ah. Six. Raté. Vous m'entendez? Vous allez bien? Venez un peu m'aider. Je
Là, je viens lance-grenade, je crois. Yes! Oh punaise! Oh punaise! Ça va, Kate? 4, 6, votre situation. On en a battu, on progresse sur la colline. Oh punaise! Ah, c'est un peu la guerre là quand même, hein. 4, 6, votre situation. C'est que je me fais un peu défoncer là. Allez, Bougou là, reviens. Il est pas mort? Solide ce Covenant. Très solide. Oh la vache! Mais c'est que ça va être chiant tout ça! Et par où la grenade là, je peux savoir? Punaise, mais. En fait, c'est complètement pourri comme arme. Oh, la technique de fourbe. On voit les Covenants qui affrontent les humains, mais ils se battent derrière le rocher, donc on voit rien. Ok, je prends le Warthog. Et c'est parti. On a une mission. Ok, on va casser les tourelles. Oula! Mais il est pas mort? Comment ça, ton armure prend feu? Bullshit! Bon, tu vises bien, mec, hein. Oh le con. GG. Allez, tire. Et non, mais tire sur lui. What?
Oh non, on est immobilisé. On se casse. Oula, oula. Putain, mais il y a du peuple. Tire. Ah. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh la vache! Oh la vache! Allez, YOLO! Allez, les renforts pouvaient pas arriver tant qu'il y avait le canon. Reçu de Lima 4. Bombardement vers 224.6. Permission accordée. Hey Kate, pas de chômage. Hein. Oh voilà, pour mademoiselle, c'était un peu trop haut pour qu'elle puisse monter dans le Warthog. Oh. Eh d'accord. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Pou pou pou. En fait c'est rouler boulet, hein. C'est pour distraire l'ennemi, c'est une tactique d'approche. Ah, il est beau ce ship. On fonce. Poussez-vous. Poussez-vous.
pourrait les tuer. Pas de problème. Là j'ai pris un peu cher. Eh, mais c'est moi ou les balles C'est cher ici. Putain, sacré au niveau des balles. Voilà. Je suis en position. Putain, mais il va mourir lui. Mais c'est... Toi le truc il est intuable. Je sais, je suis comme ça. Apparemment, j'ai l'impression d'avoir des balles en mousse quand je veux que j'arrive pas à les tuer, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Où? Comment ça marche? Ouais, c'est particulier. Elle est bien, copine, là. Monte. Paf! Merde, je les ai pas tués? Pas mal, pas mal. 6, il y a du nouveau. Le scan montre une autre tourelle anti-air Covenant droit devant vous. Vous devez neutraliser cette tourelle. Et tous les moyens sont bons. Compris. On va tout casser. Merde, je l'ai pas vu. Oula. Oula, attendez, c'est qu'il y a plusieurs tanks en plus. Il me fonce dessus. Putain, mais tu meurs? Solide la bête. Hé,
Et il y en a un deuxième. Oh, le Dodge là. Ok, c'est propre. Oh merde, oh non. Allez, Hunter. Et on a smat, on a smat, on a smat. Ça se passe pas trop mal. À défendre, défendre contre quoi là? C'est défendu hein. Rien à déclarer. Bien joué 6. L'ONI va un rapport détaillé de ses spires. On vous escorte le reste du chemin. George Falcon en approche sur votre position, lieutenant. J'éclaire la Z1. Commandant, je vais établir ici un poste avancé d'observation. Reçu. J'attends de nouvelles infos. Dites-moi ce que vous voyez. Terminé. Ah, faut que j'abandonne mon véhicule. Vous êtes au Spartan ? Yes ? Est-ce que tu connais un bon bar ? J'ai repéré que ça bastonnait sévère tout en bas du canyon. Je détermine les cibles en passant. Et Kate, on s'en fout. Ok. Ouf. Le tank. Voilà. Joli tir, Spartan. Prudence. On n'est pas encore sorti du canyon. Oh, je smat, hein, je smat. C'est no brain là. Hein. Oh, il y a un survivant là-bas. Ah ouais, effectivement. Affirmatif. Et c'est parti. Ah, fais gaffe, ça passe pas. C'est bon, la paix. On va cracher. Verrouillez votre armure. Ça risque de secouer. Même pas mal. Easy. L'équipage est mort, on dégage. Je vois des ennemis éparpillés partout.
faut qu'on se bouge. Commandant, la spire est en vue. Ça ressemble à une embuscade. Reçu, on a votre visuel. Dodd cherche une solution, attendez. Voilà, on cligne gentiment. J'en connais un qui va chialer. Qui m'a touché là ? Qu'est-ce qu'il faisait là, lui ? What ? Wouah ! Espèce de salaud ! Oula, j'ai plus de balles. Alors... Ah, mais y'en a encore d'autres ? Ok, une balle dans la tête, oh c'est pas grave, une deuxième, oh c'est pas grave, une troisième, oh c'est pas grave, la quatrième, ah bah, c'est le décès. Foncer, hein. J'ai pris cher. Rien de là. Putain, mais vous allez mourir là? Oh, le kamikaze là, voilà. Récupère dès que vous aurez désactivé ce bouclier. C'est quand vous voulez, 6. Oh la vache! On
On a une frégate prête à bousiller ce truc dès que le bouclier sera désactivé. Oui, oui. Putain, mais... Solide, solide. Oh, c'est beau. Sortez-nous de là. Contrôle, ici Noble 1, Spire 1 barré. Autorisation d'engager. Bonne journée. Reçu Noble 1. À toutes les unités sol. Frégate lourde 318 en approche sur zone. Recours aux munitions AM autorisées. Munitions AM ? En atmosphère. Au moins, ça captera leur attention. Accrochez-vous, soldats. Ah, on a de beaux chips, hein. Pof, cassé. Ah, cassé aussi. Dites-moi que c'est pas vrai. Brigade Grafton, vous me recevez? Le Grafton a été pulvérisé. Faut qu'on foute le camp. Ah ouais. C'est un chip un tout petit peu plus gros, là. Ah mais si à chaque fois qu'on trouve un moyen de se défendre, ils reviennent avec un truc encore plus gros, on n'est pas sorti. Hein. Regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. Fleetcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça. Tu parles d'une imminence. Ah ah. Sur qui tu paries cette fois? Elle. Comme d'habitude, alors. Elle a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passés avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non? Non. Non. Vous pourriez m'écouter au moins? Non. Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident il y a 2 ans? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement, une défaillance du moteur PRL, c'est ça? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloqué. Et alors? Quel rapport? Avec un peu d'aide, un certain super destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspiré? J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi? Ok, expliquez-leur. Vous permettez? Fais gaffe avec ça. L'objectif? Détruire le destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef? À votre avis. Ah. La méthode? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention? Nous. Problème? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. Trop aimable. Ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaire rumeur par 3 gouvernements successifs. Et où, bien sûr, notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez.
Oh, jamais il sera partant. Bon. Vous déposez sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la place, Noble. Alors, on a quoi? Ok. Cible aérienne en approche. Effectivement, il y a un peu de monde. Allez, mange ta grenade. J'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah mais t'es mort debout toi? En faisant le grand écart. Allez couché. J'ai plus de grenades. Attendez, les snipers là, ça va 5 minutes, mais. Allez, je m'en bouge. On arrive! Oh! Ah, désolé mec. Mais il est mort, c'est pas la peine de lui tirer dessus. J'avais déjà fait le taf. Affirmatif, ok. On n'y voit rien ici. Bah voilà notre chip. 6, John, prenez le sabre avant que les contenants le bousillent. Et vous les 4 alors? John arrive en plein vol. On se taille après votre lancement. Allez. C'est vu 6, on y va. Go. Ah vous êtes pas potes hein. Donnez un coup de pied dans un cadavre. Ok. Je pilote. Vous
suis en train de me dire, ça va être le bordel dans l'espace là. Qu'est-ce que c'est? Commande pour Sabre Bravo, onde de 9, terminé. Bien reçu. Colonel Hollande. Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Uppercut. D'ici, je vous dirigerai tout le long. C'est compris, colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9, avec la frégate Savannah, avec les autres sabres, dès que vous êtes prêts. Terminé. Ah mais je suis prêt moi. Bon, ça va le tuto là. Putain, je les cherche, hein. Ouais, je lock, je tire. Easy. Quand j'arrive à les voir. Ah, il a dodge. Bon, la phase dans l'espace c'est sympa, mais un peu mollasson là quand même. Okay.
Oh merde. Les batteries défensives sont à 79%. Encore une minute, équipe Sabre. Ok. Oh, il y a des mecs qui me tirent dessus là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On va se mettre, hein. Tire. J'ai pris cher, qu'est-ce qui se passe? Attends, on se casse. Juste derrière. Allez, régène le boubou. Oh, il s'est enfui. Oh, le lâche, un Covenant qui fuit. Encore 9 pour vaisseau de l'UNSC. Toute cible neutralisée. Bravo 029, permission d'entrée. Marqueur activé. Hollande pour Sabre, bravo 029. Double 5, vous êtes prêts? Affirmatif, colonel. Ah bah, on va être rien. Je suis là, 6. Alerte, pack de retour M-Spec désactivé. Il me faut l'autorisation. Alerte, pack de retour M-Spec. Dépressurisation du cockpit terminée. Ouverture de la verrière armée. Double 5, répétez.
identifié. Password ONI. Secteur 18G. Micro-permic. Ah, c'est terrible. Noble 5, votre fréquence cardiaque accélère. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la password. Le surnom est trop écrasant. Noble 5. Bravo 029, allumage du propulseur autorisé. Noble 6, ici Hollande. J'écoute, colonel. Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarrage avec l'objectif. Transférez notre bombe improvisée sur cette corvette pour assurer la livraison. Noble 5 se chargera du colis. Votre escadron Sabre dégagera le passage avant abordage. Reçu, colonel. La Samana a fait cadeau de la rupture spatio-temporelle à la cause. Donc, elle viendra à votre renfort en local. Samana UNSC, on est peut-être cloué au sol, mais on va vous couvrir. Sur ce coup-là, ma tête est sur le bio pour l'équipe Noble. Ce sera fait, colonel. 6 terminé. Cible corvette repérée à portée de la balise NAV ERA-15. On l'a en visuel. Cible confirmée. Ouf. Brigade Savannah en position, en attente des sabres. Écho 1, tous les systèmes parés. Écho 2, on est prêt. Écho 3, système prêt. Écho 4, tous les systèmes prêts. Bien reçu, brouillage en cours de la com de la corvette. Frappez fort tant qu'elle ne peut pas appeler au secours. Ok, équipe sabre. Dégagez un accès à la corvette. Je tente le coup. Il faut peut-être brider les moteurs, colonel, pour voir si on la ralentit. Bonne idée, Savannah. Ça rendra son abordage bien moins compliqué. 6, on marque les cibles. Flinguez les moteurs principaux de la corvette. Ok. J'ai mal là. Ah, je m'en fous du Banshee, on a dit les moteurs. Oui. Ah, c'est pas un Banshee. C'est pas grave. J'ai pas mal, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Oui, chef. What the fuck? Je me fais tirer dessus encore. Attendez, attendez, attendez.
Putain, la grenade, elle a fait quoi, là? Mais... vas-y, meurs. Où ils sont? Non, non. Avec ta bombe, casse-toi. Waouh, il a envoyé les bombes à l'arrière. GG. Solide les petits. Ah, reste dans ton coin toi. Toi aussi. J'arrive, t'en fais pas, je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que, ce, que cette horreur? 6, flinguez ses commandes. Je dois entrer. Où? Ad. Bon. 6. Dirigez cette corvette vers le supertransporteur. Rendez-vous au pont. Trouvez les commandes de navigation. Vous êtes libre de piocher dans notre arsenal, Spartan. Ah, il y a des armes. Putain, d'où il sort le... Ouais. On peut les contourner. Putain mais... Savannah pour Holland, des gaz structurels critiques. On doit battre en retraite, colonel. Bien reçu. On vous couvre. Entrez au bercail. Ok, on a même plus le Savannah avec nous. Ah, c'est pas bon ça. Encore un autre! Putain, mais. Et si on perd tous nos chips? Contrôle Savannah, vous m'entendez? C'est fini, Sis. On pouvait rien faire. Double, vous êtes en territoire ennemi sans appui. Faites avancer cette corvette et foutez le camp de là!
Ouais, donc là, en fait, on vient de mettre une grosse bombe dans la corvette qu'on veut amener au gros ship Covenant pour faire péter la bombe dans la corvette et du coup dans le gros destroyer Covenant. Ça doit être le pont, Spartan. On fait le ménage. Mission suicide, en somme. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça me troll comme ça? Vas-y, mais meurs de décès, toi. Voilà. Mais il est fufu, c'est pour ça que je le vois pas. Quoi? J'ai plus de balles. Ça, c'est le super transporteur. Ok. Ça, c'est un gros ship. Bravo, Noble 6. Opération Uppercut lancée. La corvette est en route. 6. Notre porte de sortie se fait avoiner. Retournez au hangar. La bombe s'était collée à lui. J'ai mal pour lui. Bon, je crois qu'il est temps de se barrer là. Merde, j'ai plus de balles. J'ai plus de boubou. Et plus de vie. Je sais que vous soyez là. Le Pélican se croit une sacrée dérouillée. À défendre. Bon, on va défendre. Oh oui. Ah, quoique, sniper, ça peut être bien. Ça au cac, parce qu'ils sont chiants avec leurs boucliers eux. Ouh, je m'attendais pas à toi. Aucun ennemi en vue.
Oh, le strike avec la grenade. Mince, plus de balles, plus de balles, plus de balles. La vache, je vais crever comme un con là. C'est quoi cette mort qui vient de nulle part là, putain? C'est mieux. La Savannah s'est occupée de la porte. Impossible de retourner au sabre. Noble 6, venez avec moi. La distance diminue entre la piste de ravitaillement et le super destroyer Covenant. 76 secondes avant contact. Ok. Ça va péter. Ça se présente mal. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le système de propulsion est HS, et le seul moyen de foutre le camp de ce poids mort, c'est de miser sur la gravité. Et la bonne nouvelle ? C'était la bonne nouvelle. À vitesse constante, contact dans 53 secondes. Ouais. Mauvaise nouvelle, le minuteur a grillé. Va falloir que je l'enclenche en manuel. C'est du suicide. On y passe tous un jour ou l'autre. Foutez le camp, 6. Ils auront besoin de vous en bas. J'ai une dette envers Rich. C'est l'occasion ou jamais de la payer. Ne m'en empêchez pas. Il va faire quoi là? Il va me jeter et je vais me cracher? Faites que ça vaille le coup. Ça pue la mort. Ah, c'est la merde, hein. Par contre, moi j'ai pu me cracher sur la planète, no prob quoi. Je suis encore en vie.
boite un peu, mais je suis en vie. Ok. Ici PC Kilo, à toutes les équipes dispo, avancez vers la tour Traxxus. Évacuation imminente. Reçu PC. Statut de l'aire d'atterrissage? Aire d'atterrissage en code vert. Profitons-en pour évacuer les civils. Reçu PC, 4-0 terminé. Bien, bien, bien. Bon, en plus, je vois que je suis blessé. Bah écoutez. On va s'arrêter là pour la vidéo, parce qu'on a déjà quand même pas mal avancé, je pense. Donc je vais vous laisser concernant YouTube, et on se retrouve à la vidéo suivante si vous voulez voir la suite de l'aventure. Donc à tout de suite sur YouTube, et sur Twitch, et ben, on va continuer en parallèle. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.